Est-ce que vous imaginez Charles de Gaulle, le 18 juin 1940, qui aurait dit « Écoutez, Françaises, Français, je vous propose d'organiser un référendum pour savoir s'il faut poursuivre la résistance ». Non, ça le fait pas, comme dirait mon fils. Si je vous dis François Asselineau. Qui ça ? François Asselineau. Je connais pas. Il n'est pas trop audible et je pense que c'est le dernier arrivé. Partie des minoritaires, donc on se concentre naturellement vers les gagnants potentiels. François Asselineau, il a un solide programme, mais il manque de sérieux. François Asselineau, improbable, inconnu. Je crois qu'il serait beaucoup plus crédible s'il parlait d'Union Européenne, de l'OTAN, sans être dans son parti très étrange. François Asselineau, mais totalement inconnu. François Asselineau, intéressant, mais peu probable. Moi, comment je me définirais ? Ben, je me définis comme quelqu'un de réaliste. Et je pense que de tous les candidats, je suis le seul responsable, c'est-à-dire étymologiquement celui qui a une réponse. Parce que les autres n'ont pas de réponse. Les autres sont des irresponsables. Aucun dirigeant politique à part moi ne fait l'effort d'expliquer aux Français dans quelle nasse on les a enfermés avec les traités européens et avec le traité de l'OTAN et quelles en sont les conséquences juridiques et politiques ultimes. Voilà. La première élection à laquelle j'ai participé, c'était les élections européennes de 1979, qui étaient les premières. Et comme j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que je n'avais pas vraiment réfléchi, je n'étais pas très intéressé par la politique, pour tout vous avouer. Je répétais ce que j'entendais à la télé et à la radio, ce que font les grandes majorités des gens. Ça s'appelle du psittacisme. C'est un mot d'origine grecque qui vient de psittakos, qui veut dire le perroquet. C'est-à-dire que je répétais ce que j'entendais. Donc je trouvais que c'était très bien, que l'Europe n'avait que des avantages. Aucun inconvénient. Donc j'avais voté pour la liste de Mme Simone Veil, qui était la liste UDF, qui était la liste la plus pro-européenne à ces élections de 1979. C'est dire en effet que j'étais très... Enfin, c'est pas que j'étais pro-européen, c'est que j'étais... voilà, c'était pas un problème. On m'avait fait comprendre que ceux qui étaient contre, c'était soit des vieux ringards, des nostalgiques, des gens qui avaient rien compris à rien. C'est avec la maturité venant, c'est avec le fait que j'ai vécu un an et demi au Japon, que j'ai beaucoup voyagé dans le monde, que je me suis aperçu que cette construction politique était totalement artificielle. À partir du moment où j'ai été dans des cabinets ministériels et où j'ai pu constater notamment que les dirigeants politiques, quels qu'ils soient, j'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie Saoudite, et puis après, sous la présidence de Jacques Chirac, j'étais notamment auprès du ministre des Affaires étrangères. Moi, ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que nos dirigeants, en fait, ne dirigent plus vraiment la France. Voilà. Je l'ai cité d'ailleurs lors des 10 ans de l'UPR. C'est un ouvrage qui est sans doute assez peu évoqué par des responsables politiques. Ça s'appelle « L'idéal de l'unité humaine ». Et ça a été écrit par un penseur indien qui s'appelle Sri Aurobindo, qui a vécu au XXe siècle en gros, enfin 19e et 20e siècle. C'est un ouvrage assez extraordinaire qu'il a écrit en 1919, après la Première Guerre mondiale, et où dedans il dit, justement, il s'intéresse à ces projets d'unification européenne. Enfin, je ne peux pas tout vous lire, mais il y a tout un chapitre qui est consacré aux États-Unis d'Europe. En l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain. Tout le reste, enfin, vous avez compris l'idée. Je suis d'ailleurs, en France, le seul dirigeant politique à dénoncer la construction européenne pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, si vous y réfléchissez à fond, il s'agit d'un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas d'autre raison fondamentale à cela. Toutes les raisons pseudo-économiques, sont non avenues. Moi, en tout cas, si je suis élu, la toute première chose que je fais, j'organise un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour annoncer la décision du peuple français souverain de sortir de l'Union européenne gentiment, sereinement, en concertation avec nos partenaires par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Je suis le seul à vouloir mettre en œuvre le Frexit. Une société qui redevienne ce qu'est la France, c'est-à-dire un pays ouvert à l'universel, un pays qui soit sorti de la logique des blocs, un pays qui soit devenu, qui ait repris une espèce de marche en avant
pour favoriser un concert des nations du XXIe siècle avec plus aucun pays ne prétendant régenter les autres. C'est encore la première solution qui me paraît la moins mauvaise. Sauf que moi, je dénonce dans ce que fait Mme Le Pen, outre que Mme Le Pen dit beaucoup d'autres choses et que les gens qui votent pour le Front National ne le font pas sur les questions européennes. Ils le font d'abord sur les questions d'immigration, ce qui n'est pas du tout notre cas. Nous ne sommes pas un mouvement extrémiste. Mais de surcroît, Mme Le Pen, elle oublie pourquoi est-ce qu'elle fait un référendum et pourquoi elle ne fait pas ce que je propose moi, c'est-à-dire de dire on va sortir de l'Union européenne. Est-ce que vous imaginez Charles de Gaulle le 18 juin 1940, qui aurait dit « Écoutez, Françaises, Français, je vous propose d'organiser un référendum pour savoir s'il faut poursuivre la résistance ». Non, ça le fait pas, comme dirait mon fils. Alors, écoutez, les trois sujets sont effectivement importants. Je vais peut-être, puisqu'il faut en choisir un des trois, je vais prendre peut-être le premier. Je veux lutter contre la désertification des communes. Comment ? En arrêtant la destruction programmée de l'agriculture familiale, qui actuellement, il y avait 4 millions d'agriculteurs en 1960, on est tombé à 400 000. Si on continue comme ça, il n'y en aura plus que 40 000 dans 10 ans. Si on reste dans l'Union européenne, à horizon de 10 ou 15 ans, il n'y aura plus d'agriculteurs familiaux en France, on aura de l'agro-business. Est-ce que c'est vraiment ça que les Français veulent ? Le rôle d'un chef d'État en France, c'est de se mettre du côté du peuple contre les féodalités de son époque. C'est pour ça que peut-être le chef d'État que je choisirais, c'est Saint-Louis. C'est le fameux Saint-Louis qui juge sous son chêne. Ben, quand j'étais petit, je me disais, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est important que ça soit sous son chêne ? En fait, tout le monde s'en fiche que ce soit sous un chêne. Ce qui est important, c'est qu'il rendit la justice. Et la justice qu'il rendait au milieu du XIIIe siècle, c'est que pour la première fois, les Français ont découvert ça. Il y avait, par exemple, un paysan et puis un grand seigneur. Ils faisaient comparaître l'un et l'autre. Et le cas échéant, il donnait raison aux pauvres paysans contre le Seigneur. C'est-à-dire qu'il a fait prévaloir l'idée que la justice ne dépend pas de la position sociale. Il a également, en 1360, créé l'hôpital des 15-20, 300 lits pour traiter des aveugles. Et son confesseur écrit qu'il avait fait ça et que les pauvres, les aveugles notamment, et pouvaient vivre sur la bourse du roi, comme on disait, c'est-à-dire sur le trésor public. Louis IX a donc été à l'origine de l'idée qu'en France, l'État doit assurer la justice et l'égalité sociale, et même, j'allais dire, les embryons de sécurité sociale pour tous, et que c'est son devoir face aux féodalités de son époque. Et tous les grands rois de France, tous les grands présidents de la République française se sont inscrits dans cette lignée de défendre le peuple contre les féodalités de leur époque. Mon rêve, c'est pas d'avoir une Rolex à 50 ans, d'ailleurs je n'en ai pas. Ce que j'aimerais, c'est rester dans l'histoire, en effet, comme m'inscrivant dans une longue chaîne de chefs d'État qui ont assuré l'indépendance et la liberté de la France. Voilà, c'est ça que j'aimerais.